J'ai miné, j'ai trouvé deux diamants en plus. Voilà, donc je suis content. Ici, donc j'ai du champ pour faire du pain. Donc épais. Mais ce n'est pas le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de casser avec de la TNT, faire boum boum au village PNJ que j'ai trouvé. Donc, que si vous voulez que je change ma base, vous me le dites. Ah, on l'aperçoit. Excusez-moi. Donc je sais pas vous, mais moi j'ai envie de faire déjà en premier, tout de suite là, j'ai envie de casser le puits. Faire boum boum. Boum boum. Je vais pas très bien, je sais. Donc je sais pas là si je me fais le puits ou la grande maison qui est là. Et hop, je vais me faire le puits. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà fait tous les coffres, tout ça. J'affiche bien. Difficulté max, c'est plus marrant. Allez, first. Deuxième. Troisième. Et quatrième. Voilà, donc j'avais envie de casser ça, je l'ai fait. Donc là, je vais lui de mettre. Bonjour PNJ. On se connaissait, je sais. Je vais mettre de là. Et de là. Allez. La maison va souffrir. Yepi PNJ. No PNJ. Alors, ensuite il nous reste la TNT là. C'était la petite destruction du jour.
Oh là là. Donc je pense que je vais refarmer les creepers pour refaire de la TNT. Et une fois que je me serai refait de la TNT, je compte faire péter tout le village comme ça. Donc maintenant, on va retourner à ma petite base. Je crois que je peux me refaire une TNT. Je suis pas sûre, mais je crois. Je vais faire un arc. Que des flèches, puisque j'en ai presque un stack. Donc, vous avez loupé donc, que j'avais miné. Donc, j'ai trouvé 20 or, je crois, et bon, bah, 2 diamants. J'ai pris 2-3 fers, mais j'ai pas tout pris, parce que comme c'était sur mon chemin que j'étais full fer. Et ben je ne l'ai pas pris. Ok, donc c'est la nuit, il y a les mobs. Je crois qu'il y a les mobs. Ouais, il y a les mobs. Alors, maintenant. Bon, il y a des vaches. Donc là, je vais pas fermer les creepers, là, parce que mon but, c'est de rentrer à la base. J'ai fait une petite modif, donc là, le petit zombie. J'aurais dû garder une TNT. Donc, la prochaine fois, là, donc là, je vais faire des TNT. Alors, il y a deux possibilités, vous pourrez voter dans les commentaires. Soit je fais un piège à mob, ou enfin, ce que j'appelle un piège à mob, c'est j'attire plein de mobs avec un seul de TNT et je vais péter la TNT. Ou alors, je continue à exploser tranquillement mon petit village PNG. Je suis un mineshaft à exploser qui est plus par là-bas, là, où vous voyez les petits ponts. Mais comme c'est sous terre et qu'il y a plein de gravel autour, j'ai pas trop envie de tenter parce que imaginez que la gravel s'effondre sur moi. Je vais me refaire mon stuff faire quand je veux, mais quand même. Donc là, je peux me refaire une TNT. Donc je vais me refaire une TNT. Bon, alors là, je vais à la YOLO. Je sais pas si je vais bien faire, mais allez. Oui, donc mes champs, ils ont un peu souffert, qui étaient devant, parce que je les entretiens pas très très bien. Que j'ai un peu d'autres priorités. Et lorsque je jouais, il y a un... j'avais pas vu un creeper qui était aggro sur moi. Pouf, oh, il est... Donc je disais que j'avais pas vu un creeper là-bas qui était aggro sur moi et donc il m'avait suivi puis il a pété. Et moi j'ai deux dômes, je suis en train de récolter. Et bon, au final bah ça casser tous mes champs, mais comme j'ai quasiment bientôt un stack de patates et un stack de carottes, c'est pas 2-3 patates que j'ai perdues, que je ne pouvais pas récupérer car je venais de les planter, qui vont me vraiment coûter la vie. Ok, alors. Je pense que je vais me mettre à distance. Il y a une araignée là-bas. Je vais me mettre par là. Parce qu'il n'y a pas de mob, pas trop. Je vais flasher, c'est bon. Fait, je suis fort à l'arc, mais faut me laisser le temps de viser. Sais qu'elle m'aurait fait pas vu. Elle est où? Elle s'est suicidée. Donc, j'ai ça. Donc, du coup. D'accord, l'archer est mort. D'accord, l'araignée se prend des dégâts tout seul avec le cactus. Il y a un zombie ici, on va l'esquiver, tranquille. Moi, j'ai un creeper là, il y a un creeper là-bas, il y a un Undermine. Je pense que je vais monter sur la petite colline. Enfin, c'est pas, je pense et je vais monter sur la petite colline. Voilà. Je sais pas si je change ma base et si je l'installerai pas là.
En hauteur. Ok, il y a un creeper là-bas. Oh, il a rien donné. Donc, la TNT. Alors, soit je... Allez, je vais finir. Cette maison-là, je vais la laisser comme ça parce que ça fait genre une maison en ruine et tout ça. Je trouve ça style. Enfin, voilà. Ça fait une maison... Araignée. Ok, donc il y a un creeper. Ah, sur le toit de la maison. Attends. Ok. Easy. Non, je peux récupérer le stuff, ça va pas être easy. Je veux les game codeurs. Ah oui, j'ai pas de stuff. Bon, alors... Juste ça, parce que ça, j'ai tellement de cobble. Voilà. Donc... cette maison, elle n'a pas souffert. Il y avait une maison à l'entrée, ouais, c'est celle-là. Je mets une TNT à l'intérieur. Et... Spectacle. Je peux plus reculer ni avancer. Alors du coup, j'ai pris pas mal de dégâts. Donc du coup, je me retrouve avec deux TNT. Je sais pas si après je viendrai pas m'installer, genre dans ce village plongé en ruine, ça pourrait être bien. Moi je pourrais bourrer de cette piège et tout ça. Enfin, quand je dis piège, c'est une trappe, quand il y aura des petits zombies, avec un petit seau de lave, et puis. Bah tiens, attendez, je vais cramer un zombie. Ça brûle! Ça brûle. Ça brûle. Bon, alors moi... Il y a des flèches. Donc on va attendre le lever du jour. Puis ben, on va se quitter. On essaie de calmer. Oh là là, je me fais gang bang, un truc de ouf. Donc, on va se quitter en regardant les mobs là-bas cramés. Les mobs crament. Et voilà. À la prochaine.